Wesh la famille CNGZ, j'espère que vous allez bien, moi personnellement c'est super. On est parti pour une nouvelle vidéo, cette vidéo elle est similaire à celle de Freeze Corleone il y a 2 jours. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes comme pour la vidéo précédente, s'il y a 1500 likes on fait un épisode 2. Dans cette vidéo on va parler d'Attic parce que Attic il est encore en train de faire un buzz sur Twitter, comme à peu près chaque semaine. Dans la vidéo on va parler de ça, mais je vais aussi beaucoup parler de l'artiste, vous donner mon avis, etc. Donc personnellement j'ai connu Attic il y a à peu près 1 an. J'ai fait une vidéo pour vous dire qu'il allait percer. Dans cette vidéo il y avait aussi ISK, il y avait aussi Diditrix et Louvrezval. Et si je dis pas n'importe quoi, il y a 1 an dans cette vidéo il y avait aussi Gambi. En fait moi j'ai directement remarqué que c'était quelqu'un qui avait du talent, parce que Attic, quand je l'ai connu, en fait c'était avec le projet Berlin qu'il a fait avec Demolition. Quand j'ai écouté le projet je suis tombé sur un son à Attic. Je sais plus c'était quoi le nom exactement, je vous mets à l'écran, je vous conseille d'aller l'écouter parce qu'il a pas fait beaucoup de vues et pour moi ce son il mérite le million. Quand j'ai écouté le projet j'ai vu que Attic c'est quelqu'un qui avait beaucoup de talent. Peu de temps avant il avait sorti la mixtape Chaise Pliante et dedans il y avait beaucoup de sons, c'était du kickage. Et là quand j'ai découvert le projet Berlin avec un son beaucoup plus mélodique, franchement je me suis dit que Attic c'est un mec, il peut exploser. Et ce son je l'ai même fait écouter à énormément de personnes. À ce moment là j'avais contacté Attic sur Facebook pour lui demander s'il était chaud pour qu'on fasse une vidéo sur son histoire, mais il m'avait dit qu'il était en partenariat avec Demolition et que forcément bah voilà il faisait les choses avec eux. J'y mets à peine un doigt, je découpe la princesse et la tête du roi. T'avais ce qui le diable, du coup je mets pas le droit. Mon quartier m'a dit de tout niquer, du coup j'ai pas le choix. Suffit d'un son ou d'un coup de beat pour qu'elle m'oublie pas. Elle veut toucher mes cheveux de Mowgli. Ah, m'embrasse pas, Stadia, si c'est tout rip pas. Je le mets dans le QR, pas avec la touriste. Et derrière, il est passé dans le CR qu'il a fait des featurings avec des mecs archi connus comme Fianso. Il est passé aussi dans la série Validé. Et maintenant, il est connu par beaucoup de rappeurs. Même, t'as vu, dans Rap Jeu, il était avec Soso Manes, il était avec Gizmo, il était avec Zed. Dans Validé, il était avec Bosch, des fois, il était avec Lacrim, etc. Ce que j'aime bien chez lui, c'est que c'est quelqu'un qui fait de bonnes interviews, il fait de la bonne musique. Et même si certaines personnes le trouvent arrogant, en vrai, je trouve que c'est quelqu'un qui se prend pas la tête. En fait, il fait pas le mec pour rien. Juste, il est un peu agité et beaucoup de personnes le critiquent par rapport à ça. Rappelez-vous, la semaine dernière, j'avais fait une vidéo pour vous dire qu'il faisait un bad buzz suite à son comportement dans Rap Jeu. Et là, ce qui s'est passé, c'est que sur Twitter, les gens, ils ont trouvé un nouveau truc pour le faire. Attic, il a refait le son Angela, mais en performance sans autotune. Et là, sur Twitter, c'est en train de le terminer. Toutes les personnes qu'il déteste, elles sont en train de ressortir pour dire « Moi, j'aime pas Attic parce que ça, parce que ça. » À l'écran, je vais vous mettre plein de tweets où ça clash Attic. Franchement, j'arrive pas à comprendre les gens parce que déjà, 2 mois en arrière, quand il était dans Validé, tout le monde l'aimait bien et sa carrière, elle est en train d'exploser. Et aujourd'hui, il y a plein de personnes qui retournent leur veste. Certains ont commencé à retourner leur veste parce qu'ils ont dit que Attic était trop arrogant. D'autres ont retourné leur veste depuis qu'il y a eu Rap Jeu. Il y en a aussi qui retournent leur veste depuis qu'il y a eu les histoires avec Oh Mon Dieu Salva. Je sais pas si t'en as entendu parler, mais ça fait quand même pas mal de bruit. Même Oh Mon Dieu Salva, il lui avait dit qu'est-ce qu'il a la squale, tu vois, pour se moquer d'Attic. Va jouer à TikTok, hein, Franck. Franck Gastambide, c'est ta faute. Tu l'as fait croquer dans la série, wesh. Alors regarde ce qu'il fait, le jeune, la mignonne. Regarde, il s'en prend à tout le monde sur le net. Même à moi, Franck, même à moi. Oh, Attic. Et suite à ça, ils avaient décidé de s'expliquer en live devant tout le monde. Mais bref, pour moi, Attic, c'est comme Weshden. C'est des gens, ils font leur carrière, la musique, ça paye bien pour eux. Ils en profitent et au final, ils ont entièrement raison. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi les gens sur les réseaux, quand vous aimez pas quelqu'un, pourquoi vous regardez ce qu'il fait pour au final aller le critiquer. Perso, je vois pas l'utilité. Enfin, moi, je fais pas ce genre de choses. Parce que quand on regarde sur Twitter, quand même, les gens, vous y allez fort. En tout cas, pour revenir à Attic, moi, personnellement, je trouve qu'il fait de la bonne musique. Après, c'est soit t'aimes bien, soit t'aimes pas, mais c'est quand même quelqu'un qui est polyvalent et qui peut toucher beaucoup de personnes. Et au final, il y a même des personnes qui le suivent pour son énergie ou pour ses interviews, parce que c'est quelqu'un qui s'exprime super bien. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous aimez bien Attic ou pas, et si vous l'aimez pas, donnez-nous une raison, parce que j'ai vraiment du mal à comprendre. Ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que Attic, c'est un mec qui vient d'arriver dans le game. Cette année, elle a été énorme pour lui. C'était vraiment son année, il est passé dans Validé. De base, c'est un mec qui faisait pas énormément de vues, donc essayez de prendre ça en compte avec les artistes quand ils arrivent. Dites-vous que c'est des gens, ils sont comme ça, ils sont dehors, je sais pas, ils travaillent dans leur vie, ils vont à l'école ou je ne sais quoi.
Du jour au lendemain, il se retrouve avec des sons à 30 millions de vues et sur plusieurs interviews. Et en l'occurrence, Attic est aussi validé, il y a aussi Rentre dans le cercle, etc. Planète Rap. Après, ça fait partie du truc. En tout cas, je suis vraiment content que Attic, il a réussi à se créer une carrière et à prendre une bonne place. J'avais regardé une interview sur lui, il disait que, en fait, avant c'était un alcoolique et que si il reprenait le moindre verre d'alcool, qu'il allait tout arrêter du jour au lendemain pour boire. Et c'est pour ça, les gars, regardez, le mec il était alcoolique, il s'en est sorti, aujourd'hui il est en train de tout exploser. Soutenez-le, arrêtez de le critiquer pour rien. Bref, c'était NJZ. Comme j'ai dit dans l'intro, 1500 likes pour un troisième épisode. Dans les commentaires, essayez de me trouver un nom à ce concept aussi. Je sais pas ce qu'on pourrait dire, genre parlons rap, je sais pas, tu vois. Parce qu'en vrai, c'est ça. J'allume la cam, je te parle d'un artiste, je te donne mon avis, on parle de la musique, je te dis comment je l'ai connu. Du coup, parlons rap ou je sais pas, enfin, essayez de me trouver un blaze. Je vais regarder tous les coms, pareil, dites-moi, et on va trouver ça ensemble. Toujours à la une sur la cul, toujours à la une dans le turfu. Tu veux du rap, bro, tu veux du rap. Cherche pas plus loin, c'est NJZ. Toujours à la une sur la cul, toujours à la une dans le turfu. Tu veux du rap, bro, tu veux du rap. Cherche pas plus loin, c'est NJZ. Il te casse les couilles comme une mouche instable. Tu te vois partout.